Vous voyez cette planchiste qui fend les vagues en s'appuyant sur le vent? Elle ne fait pas que naviguer. Elle arrive aussi à voler au-dessus de l'eau. Avec elle, sous sa planche, navigue une notion scientifique étonnante, la portance. Et c'est un phénomène qui s'étend à tous les fluides, que ce soit des gaz ou des liquides. La plupart des vertébrés savent flotter dans l'eau. Mais l'être humain, lui, ne s'est jamais contenté de flotter. Il a toujours eu envie, en plus, de savoir voler. Les scientifiques, qui n'ont pas des cerveaux d'oiseaux, ont ramé pendant des siècles pour trouver la notion physique qui permet de s'envoler. Pourtant, un petit groupe de véliplanchistes semble maîtriser à la fois l'art de flotter et celui de décoller. C'est que sous leurs planches, ils ont des foils, de drôles d'engins qui se comportent dans l'eau comme les ailes dans l'air. À la barre de leurs embarcations, ces athlètes nous emmènent survoler le phénomène de la portance. Le principe scientifique qui permet de flotter a été découvert pendant l'Antiquité par Archimède. Selon son principe, une embarcation flotte sur l'eau parce que son poids qui l'entraîne vers le bas s'équilibre avec une force qui la pousse vers le haut, équivalente au poids de volume d'eau qu'elle déplace. Le problème, c'est quand on ajoute une force pour faire avancer l'embarcation. Ce volume d'eau qu'elle déplace a tendance à la freiner. L'idée de portance a vu le jour au début du XXe siècle. Les pionniers de l'aviation l'ont développée de façon empirique. Après de nombreux échecs en imitant les battements d'ailes des oiseaux, ils ont compris qu'il fallait plutôt imiter leur façon de planer. Un siècle plus tard, le phénomène de la portance a atterri dans l'univers de la voile à travers l'utilisation des foils. Louis Giard est un planchiste de haut niveau. Quand on part naviguer, au début, la planche ne vole pas. La planche est encore immergée dans l'eau et on est encore en train de la faire glisser contre l'eau. On a l'impression que c'est vraiment un gros frein, que l'eau représente vraiment un frein sur notre planche à voile. Le foil nous donne de la portance et nous permet de décoller. La sensation principale, c'est ce sentiment d'accélération et de vitesse que nous donne le vol. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui frotte dans l'eau, mis à part les ailes du foil. Et c'est vrai que là, on se rend compte que on a l'impression de pouvoir accélérer quasiment sans fin. La portance produit sur le foil une force dirigée vers le haut qui augmente avec la vitesse. À partir d'une certaine vitesse, cette force compense le poids de l'embarcation. Elle remplace le principe d'Archimède et soulève l'ensemble au-dessus de la surface. Le volume d'eau qui s'opposait à la propulsion est alors réduit et la vitesse augmente, ce qui augmente à nouveau la portance. Hélène Noës-Mohen est championne du monde de planche à foil. Un foil, ça marche comme un avion. On a une aile avant, qui est ici. On a un fuselage tout le long, un stabilisateur à l'arrière. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la portance qui va être créée surtout au niveau de l'aile avant. Et du coup, nous, on va utiliser toute cette portance pour décoller au-dessus de l'eau et puis entretenir cette glisse en permanence, quoi.
La portance est une force qui s'applique sur des objets ayant un profil particulier, comme les ailes ou les foils. Et elle apparaît quand un fluide s'écoule de part et d'autre de son profil avec un flux régulier. Mais d'où vient cette force ? Marc Fermigier dirige un programme de recherche sur la voile olympique. Donc la portance, c'est une force qui provient du fait que l'écoulement est dissymétrique entre le haut et le bas de l'aile, si on considère un avion, que la vitesse de l'air est plus grande sur la partie supérieure que sur la partie inférieure. Alors on peut le voir peut-être sur cette animation qui représente assez fidèlement l'écoulement qu'on peut avoir sur un profil qui est un léger angle d'incidence. Et dans cette simulation, on a injecté de manière artificielle des particules, ces petites boules bleues qui suivraient l'écoulement dans son mouvement. Et bien on va voir que les particules qui sont sur la partie supérieure se déplacent plus vite que les particules qui sont en dessous de l'aile. Et par-dessus cette différence de vitesse arrive l'équation d'un certain Bernoulli. Au XVIIIe siècle, ce savant suisse était bien loin de penser qu'un jour ses travaux aideraient des planches à voler au-dessus de l'eau. Et je vais écrire l'équation de Bernoulli qui est la pression plus 1/2 de la masse volumique du fluide rond fois la vitesse au carré égale à une valeur constante. Et c'est une équation assez simple. Simple ? Pour un physicien. Nous, ce qu'on peut en retenir, c'est que si U, la vitesse d'écoulement, augmente, la pression diminue. Inversement, si la vitesse diminue, c'est la pression qui augmente. Cette relation entre vitesse et pression s'applique à toutes sortes d'écoulements, comme les jets d'eau, la pression sanguine et les écoulements à proximité d'une surface portante. Sur cette simulation, le rouge représente les pressions les plus élevées et le bleu, les pressions les plus faibles. Sur le dessus de l'aile, où on a dit que c'était là où la vitesse était la plus grande, eh bien on voit qu'on a globalement une couleur qui est plus bleue, ce qui nous montre que c'est là où la pression a baissé. Mais comme la pression en dessous est plus grande que la pression au-dessus, eh bien cette pression qui est là, qui est vers le haut, va l'emporter sur la pression qui va vers le bas. C'est ça qui va nous donner la force de portance. Donc, des deux côtés du foil, on a une différence de pression qui vient d'une différence de vitesse. Et cette différence de vitesse, d'où vient-elle ? C'est ce qu'on appelle le tourbillon. Qu'est-ce que c'est que le tourbillon ? En fait, ça représente la façon dont les éléments de fluide tournent sur eux-mêmes. Et ce qu'on voit, c'est que derrière l'aile, eh bien, on lâche un tourbillon, on voit ici. Ce tourbillon tourne dans le sens contraire des aiguilles du montre. Et dans ces conditions d'écoulement, eh bien, on a une loi de conservation globale du tourbillon, ce qui fait que si on crée du tourbillon dans un sens derrière l'aile, eh bien, on est obligé de produire un tourbillon de sens opposé qui se développe autour de l'aile. De ce fait, l'écoulement au-dessus de l'aile est accéléré par rapport à la vitesse moyenne du l'écoulement, et elle est ralentie en dessous. Aujourd'hui, les physiciens ont totalement décortiqué les principes de la portance. Et l'industrie aéronautique exploite ces mécanismes jusqu'à leur extrême limite dans tous les domaines de l'aviation. Depuis le militaire, au transport de passagers, en passant par les activités aériennes de loisirs. Les planchistes, eux, ne voient pas à quelle hauteur ils volent, car cela se passe sous leurs pieds. Ils ne voient que les vagues devant leurs planches, et c'est par la finesse de leurs sensations qu'ils pilotent leurs engins. Quand on arrive avec de l'eau qui vient jusqu'ici, là, ça devient un petit peu dangereux, parce qu'à n'importe quel moment, avec une petite vaguelette un peu différente, il peut y avoir de l'air qui rentre sur l'aile avant, et bah, là, c'est tout de suite une chute. Et puis si on est trop proche d'ici, avec de l'eau qui vient jusqu'ici, bah là on a toute la surface de la planche qui va toucher. Donc tout de suite ça va faire énormément de frottement et on peut perdre complètement la vitesse.
Et donc le but, c'est ensuite d'être le plus dynamique sur la relance pour arriver à voler très rapidement, quoi.